Alors, nous sommes aujourd'hui le 5 septembre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et cette fois-ci en particulier au Saint-Esprit qu'il y a déjà environ au moins un mois ou deux, si ce n'est trois, peut-être même plus longtemps, hein, m'a mis à cœur de faire quelque chose. Je partage ici cette anecdote avec vous que maintenant, mais c'est vrai que ça m'est arrivé il y a environ déjà 2 3 mois, si ce n'est plus. Je me promenais dans mon jardin et le Seigneur m'a mis à cœur de prendre quelques feuilles d'une plante bien développée qui existe en grande quantité dans mon jardin. Et c'est vrai que il m'a invité à le tester, à en faire un thé que j'ai trouvé excellent. Et c'est vrai que je n'avais jamais eu l'idée, alors que cette plante-là est depuis au moins 20-25 ans dans mon jardin, de l'utiliser, d'en faire un bon thé ou autre chose. Donc j'ai écouté le Seigneur et j'ai découvert des saveurs très subtiles, vraiment extraordinaires. J'ai été vraiment émerveillée de la gloire de Dieu. Je me suis vraiment rendu compte que c'est le Saint-Esprit, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, quand quelque chose apporte du bien-être et du mieux-être dans nos vies, ça ne peut provenir que de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, parce que Dieu est le seul à amener tout le positif dans nos vies, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui nous rappelle son désir de nous voir heureux et épanouis, en 3 Jean 1, verset 2. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, hein, oui aussi parce que Dieu prend tendrement soin de nous. J'en veux pour preuve que, eh bien, l'autre jour, en me promenant avec mon pasteur et sa fille dans son jardin, j'ai partagé avec eux cette bonne inspiration que le Saint-Esprit m'avait donnée. Pour moi, c'est pas une petite inspiration, c'en est même une grande, vu comment c'est délicieux. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'était vraiment très très bon. Et pour d'autres raisons, comme je travaille sur un autre projet qui nécessitait que je fasse des recherches sur la pharmacopée antillaise et française, je me suis retrouvée à découvrir, à ma grande surprise, eh bien que cette plante que le Seigneur m'avait inspirée de goûter en thé existe bel et bien et fait même partie des plantes récemment rajoutées à la pharmacopée officielle. Et vraiment, je n'imaginais pas ça. Je me suis bien rendu compte que c'était très bon et qu'en effet, ça générait du mieux-être, mais... Eh bien, quelle ne fut pas ma surprise en allant sur le net pour chercher sur Wikipédia pour un autre projet sur lequel je travaille, comme je disais, de découvrir que eh bien, cette plante est rentrée à la pharmacopée officielle comme faisant partie des plantes ayant des vertus médicinales. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je l'ignorais totalement. J'avais cette plante dans mon jardin et j'ignorais totalement. Qu'elle fût comptée au nombre des plantes vertueuses sur le plan médicamenteux et médical. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que elle est vraiment succulente. Et voilà, je tenais simplement à témoigner de comment Dieu, Jésus, son Saint-Esprit sont à l'origine de toutes les bonnes et belles choses qui existent sur terre, dans nos jardins également, hein, comme le psaume 114, verset 4 nous le rappelle bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, et surtout, je remercie encore ici le Saint-Esprit pour toutes les bonnes inspirations qu'il me donne. Et je lui rends grâce et gloire parce que c'était vraiment et ça continue d'être vraiment merveilleux. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc, tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout, tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.